comment ils font chier avec leur manif à deux balles, là. C'est vrai, ça, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des réformes de l'année prochaine? On sera plus au lycée. Non, en plus, si la grève dure trop longtemps, on va être grave en retard pour le programme du bac, hein, et ça, c'est chaud. Bah ouais. Alors là, pour rien foutre, en regardant votre pays sombrer dans le fascisme, il y a du monde. Putain, mais si c'était la réforme des jeux vidéo, vous auriez déjà pris les armes depuis longtemps. Ça n'a rien à voir, mademoiselle, ok? Moi, je suis pas impliqué dans ce genre de choses, je suis pas français, je suis américain. Et puis la réforme des jeux vidéo, elle a déjà eu lieu il y a quelques temps, hein, quand les trois plus grands éditeurs ont fusionné pour relancer le marché et désenclaver le système japonais, alors... Ah, Steph, t'as vu la pancarte de Mathieu? Il est trop bien sur son slogan. Vas-y, viens, on se met à côté de lui, comme ça, s'il y a des journalistes qui viennent, on passe à la télé. Salut les conformistes. C'est toi, ouais, la conformisme. Mist. Bon, le plan, il va être simple, les gars, ok? Toi, tu vas voler deux nappes à la cantine pour faire des pancartes. Toi, tu vas aller chercher deux feutres au CDI. Comme ça, on va pouvoir écrire sur les pancartes. Et moi, je vais aller à la bibliothèque chercher un dictionnaire. Pour trouver un slogan? Non, pour chercher la définition de conformisme. Mist. Bon, allez, les gars. La France compte sur nous. C'est à quelle heure, la manif, déjà? 15h devant le lycée. Et après, on part en cortège jusqu'à la grande place. Putain, ça va être chaud avec les CRS, hein. Je vous avais dit, on aurait dû prévoir, là, pour acheter des casques de moto ou des nunchaku. Mais n'importe quoi, toi, c'est une manifestation pacifiste, à la Gandhi, genre. Organisée par les Terminales, il y aura que des meufs. Ça va être en mode distribution de bisous, de colliers de fleurs et reprise de chansons de John Lennon. Mais non, mais pourquoi nous, on y va? On s'en fout des manifs. C'est pour pécho des meufs, Ludo, c'est pour les meufs. Il y aura Jenna et Stéphanie, elles seront là avec toutes leurs copines de Terminale L. Toutes? Ouais, tu crois quoi? Faut qu'on les impressionne avec nos pancartes. Tu vas grave les impressionner avec tes fautes d'orthographe de CM2, là. L'important, c'est qu'il faut qu'on soit les boss de la manif, les gars, ok? Faut qu'on aille là-bas et que tout le monde se dise « Putain, mais c'est eux les boss de la manif ». Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Faut qu'on arrive à voler le mégaphone et alors c'est la chanson que tout le monde va reprendre après dans le cortège. C'est du genre « Oui, 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 c'est la grève, c'est quoi? C'est la grève, c'est quoi? Oui, oui... » Ou sinon... « Pa, pa, la, pa, 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 ba, les réformes. Pa, pa, la, pa, 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 ba, les réformes. Pa, pa, la, pa, pa, les réformes. La petite réforme en mousse qui n'est pas bien, qui sert à rien, et ça c'est certain, la petite réforme. Non? Ne chante plus jamais ça devant moi. Plus jamais. Quoi que c'est vrai, ça rentre bien dans la tête quand même. Oui, donc là, on bat un nouveau record familial, c'est celui de la plus grosse boulette. Non, c'est vrai, ça fait toujours plaisir de voir son fils ramené à la maison par la police. Adam, c'est quoi la prochaine étape? Braquage de casino? Prise d'otage pour te payer de la drogue, c'est ça? Ça, papa, c'était juste un pari avec Ludo et Slim. La manifestation, elle était tellement nulle, on a décidé de jouer au jeu des gages dans le cortège. Manque de bol, j'ai perdu. Donc j'ai dû honorer mon pari pour pas perdre la face. Ah bon, et c'était quoi le gage, là? Bah, c'était d'aller narguer les CRS en slip. En faisant des cris de singe. C'est pas vrai. 2 ans et demi d'âge mental. Attends que je les croise les deux autres, là. Ils vont m'entendre. Hein. D'accord, et donc si tes potes te disent d'aller manger des caca de pigeons, toi, tu vas en courant, c'est ça? Mams, un gage, c'est un gage. J'ai fait ça pour l'honneur de la famille. Maman, viens voir! Il y a Adam au journal télévisé qui danse en slip devant les CRS. Ah oui, ah bah alors là, maintenant, c'est vrai que de passer aux infos à moitié à poil devant toute la France, c'est vrai que l'honneur de la famille en ressort grandi. J'ai envie de dire bravo, Adam. Bravo. On voit Adam qui pleure dans le fourgon de police. T'es une star, gros débile. Moi, qu'est-ce que je vais dire au bureau, moi?